Ce résumé vous est proposé par Nissan. Et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League. Ce sera un 4-3-3 pour le Stade Rennais qui doit faire un résultat aujourd'hui, qui doit réaliser un exploit pour se relancer dans la course aux huitièmes de finale. On rappelle que c'est la première participation du club breton en Ligue des Champions. Rennes qui ne totalise qu'un seul point pour l'instant. Hudson-Odoi pour le centre. Oh, le manque incroyable. Comment a-t-il pu rater le cadre, Timo Werner? Sur cet offrant de Callum Hudson-Odoi. Il est à bout portant du but d'Alfred Gomis. Et l'opposé qui est trouvé à la tête d'Amari Traoré. Doku qui va tenter de le mettre au sol, ce ballon. Protège aux dépens de Mason Mount. C'est trop désintéressé du ballon là, Jérémy Doku et l'ouverture de Mount avec la puissance de Callum Hudson-Odoi. Callum Hudson-Odoi couvre le score. Ça fait 1-0 pour Chelsea. Le contre dévastateur des Blues. Avec cette ouverture de Mason Mount qui a récupéré ce ballon, qui a lancé dans la course Callum Hudson-Odoi. Ça fait 1-0 pour Chelsea, 22 minutes de jeu. Et Hudson-Odoi qui inscrit son deuxième but dans cette Ligue des Champions. Il n'en a encaissé que deux. Toute compétition confondue contre Tottenham en Coupe de la Ligue et... Ouf. Oh, ce ballon repris par Mason Mount là. Et l'arrêt d'Alfred Gomis qui préserve le 0-1. Et la lucidité de Ben Chilwell hein, pour retrouver Mason Mount qui était juste devant le but. Da Silva... Nzonzi, le contrôle de la poitrine pleine course là, d'Amari Traoré avec Doku qui doit faire la différence. Là on l'attend, là Jérémy Doku qui va les fixer, qui va les provoquer. Le centre, oh la tentative de Bourigeaud qui a été contrée. Et ensuite cette frappe qui passe au-dessus de Léa Siliki. Voilà enfin un mouvement intéressant là de la part de Jérémy Doku qui a pris ses responsabilités. Et Guirassy en appui, c'est Rui Guirassy pour la frappe. Oh, il s'est retourné, il l'a enclenché et il met à contribution Edouard Mendy. Oh, attention à Chilwell, ça profite à Guirassy. C'est Rui Guirassy et l'occasion manquée. Pas suffisamment altruiste là, c'est Rui Guirassy et Thiago Silva qui s'excuse auprès de ses partenaires. Kovacic qui échappe à Kamavinga et la bonne récupération de Jérémy Doku. Doku en possession de la balle, le décalage avec Del Castillo pour le centre. Guirassy, oh, dans un angle fermé de l'extérieur du droit, là il a été précis. Oh, c'est bien frappé encore. Et non, c'est sauvé sur la ligne par Edouard Mendy. Il y avait de la densité devant le but d'Edouard Mendy, mais finalement le dernier rempart de Chelsea a pu s'emparer de ce ballon. C'est frappé tendu encore. Oh, le coup de tête. C'est Rui Guirassy qui est à la réception de ce corner de Bourigeaud. Le Stade Rennais revient à hauteur de Chelsea à la 85e minute. Il est frappé magnifiquement bien. Grenier.
Oh, qui rend ce ballon à Kim Ziyech. À Kim Ziyech, là, faut pas lui laisser d'opportunité et d'espace. Timo Werner. Et un arrêt de grande qualité de la part de Gomis. Oh, qui ne peut éviter le but. Le coup de tête d'Olivier Giroud qu'on n'avait pas vu depuis son entrée. Il est fou de rage, Alfred Gomis. Il a effectué l'arrêt dans un premier temps. Et Chelsea qui va arracher le succès dans le temps additionnel de ce match grâce à Olivier Giroud. Ce résumé vous a été proposé par Nissan. Et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League.